Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue en direct de Saint-Herblain sur Pika Sport TV. On est heureux de vous proposer aujourd'hui le Final Four de National A. La première demi-finale de ce championnat de France de National A de basket fauteuil va opposer dans 5 petites minutes maintenant l'équipe de hier qui va évoluer sur votre écran en maillot jaune à l'équipe du Puy-en-Velay qui évoluera en maillot rouge et noir. Pour m'accompagner, mon acolyte habituel, Jean-Claude Boucher. Salut Jean-Claude. Salut Nico. Jean-Claude, c'est parti, c'est la... ben, c'est le jour de vérité pour le championnat de France de National A. Ce Final Four avec deux grosses demi-finales aujourd'hui. Et oui, on va connaître à la fin de ce week-end le champion de France en titre 2018 et qui donc va succéder au CSMO, le tenant du titre qu'il avait emporté donc l'an dernier face aux Hornets du Canet. Deux équipes que l'on verra tout à l'heure après ce premier match opposant donc hier au Puy-en-Velay. Ouais, deux équipes de hier et de Puy-en-Velay qui se sont affrontées il y a quelques semaines en championnat, c'était il y a deux journées exactement, avec un match plutôt serré entre ces deux équipes qui promet une demi-finale eh bien, peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît. Oui, en fait, les deux équipes se sont rencontrées à trois reprises cette saison. Deux fois en championnat et puis une fois en Coupe de France. Et lors de ces trois confrontations, ce sont les joueurs de hier qui l'ont remporté. Mais il est vrai que sur la dernière rencontre qui s'est déroulée à hier, lors de l'avant-dernière journée de championnat, les Ponotes ont vraiment failli créer l'exploit puisqu'ils se sont inclinés que de trois petits points dans la salle des Barois à l'issue d'un match extrêmement serré. Et on l'a vu tout à l'heure, à leur arrivée au gymnase, les joueurs de David Véro, très très concentrés. On sent évidemment que la saison va se jouer sur ce match. Et forcément, on a envie de créer l'exploit au déponant. Oui, alors la pression est tout de même sur les épaules de hier, qui joue sa saison tout de même sur ce Final Four. En ayant archi-dominé la phase régulière, puisque les Varrois sont invaincus, que ce soit en championnat de France comme en Coupe de France, dont ils ont remporté le titre il y a quelques semaines. Quant aux Bono, eux, bah, ils sont déjà bien contents d'être ici, arrivés au Final Four pour la seconde année consécutive. Pas oublier que c'est une équipe qui est montée en National A il y a 3 ans, c'est une équipe assez neuve. Et donc... eh bien, la pression, ils n'ont pas vraiment. Et ils vont essayer de faire, bien sûr, de leur mieux pour créer ce qui serait tout de même une grosse surprise, Nicolas. Ouais, une grosse surprise. Et on va le voir alors que ici, vous le voyez à l'écran, on assiste à la présentation des deux équipes. On va aussi vous proposer immédiatement la compo de ces deux équipes. Deux équipes qui évolueront au complet aujourd'hui, en commençant évidemment par la compo du hier en bi-basket. Jean-Claude, avec en numéro 5 Jérôme Loréry, le numéro 7 Sébastien Nentimen, le numéro 8 Ibrahima Ndaye, le numéro 9 la gâchette béarnaise Nicolas Joancer, le numéro 10 Philippe Lutin, le numéro 11 joueur extrêmement important dans le collectif d'hier Abdel Bougania, le numéro 13 Dominique Mosler, le pivot polonais, et enfin le capitaine, le numéro 15, on ne le présente plus, Jérôme Durand, la compo pour l'équipe du Puy-en-Velay. Désormais, on aura en numéro 5 Malcolm Wright, le meneur américain, en numéro 6 Zouir Chala, en numéro 7, on l'a vu la semaine dernière au championnat de France U24, il a remporté le titre avec sa sélection Auvergne-Rhône-Alpes, Romain Damoiseau, le numéro 9, le Bosniaque, la grande tour de contrôle, Nafis Arnaud, excellent shooter également. Le numéro 10, le capitaine Gaëtan Arnaud. Le numéro 12 pour bien peut-être l'un de ses derniers matchs sous les couleurs du Puy-en-Velay, Kamel Negrini. Et enfin le numéro 13, Omar Zidi. Les deux entraîneurs, on ne les présente plus non plus. Côté Hierrois, le grand Jérôme Mugnini. Également côté Polo, le frère du président David Véro. Les arbitres de la rencontre. Voilà, j'allais le dire un petit mot sur les trois arbitres, puisqu'il y a trois arbitres ce soir pour ce Final Four. Donc il y a Céline Villard, Thomas Roch et Gérard Clette.
Ouais, en espérant évidemment, évidemment c'était un moment important de la saison, on connaît l'enjeu et on espère que l'enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu. Jean-Claude également, on va en dire quelques mots. En même temps que nous se déroule le Final Four de la National B du côté de Lille. Oui, alors selon la même formule, un Final Four qui réunit les 4 meilleures équipes de la saison régulière, à savoir l'AS Corbeil, Cap-Saint-Paris, le Lille Université Club et l'équipe de First Saint-Etienne. Ouais, on manquera pas de vous donner les résultats dès qu'ils nous parviendront. Du côté de Lille, alors ici évidemment, la tension monte, on est à 2 petites minutes du coup d'envoi. Les équipes en terminent avec leur échauffement, en vous rappelant bien sûr le programme de la journée, la première demi-finale tout de suite à 14h30, coup d'envoi de ce match entre hier et le Puy-en-Velay, et à 17h15 on reviendra, hein, on va faire une petite pause très très courte et on reviendra pour la deuxième demi-finale qui promet énormément, le remake de la finale de la saison dernière remportée d'un point par l'équipe de Meaux, la demi-finale entre le Canet, les Hornets et le CS Meaux, un match là aussi qui promet des étincelles. On se souvient d'ailleurs que l'année dernière, donc c'était à Montévrin, près de Meaux, en Seine-et-Marne, qui avait eu lieu le Final Four. Et la petite finale opposait déjà le Puy-en-Velay à hier. Et c'est le Puy-en-Velay qui s'était imposé de très peu de points, mais ils avaient donc obtenu la troisième place du Final Four 2017 à Montévrin. Ouais, et donc alors qu'ici vous l'entendez, la colonie de supporters de hier a fait le déplacement des attribuants côté Pono, on est aussi venu en nombre avec les supporters venus d'Auvergne pour supporter les Pono. Le dénouement de la saison de National A, vous l'avez suivi tout au long de l'année sur Pika Sport, on a été heureux de vous présenter les meilleures affiches de ce championnat. C'est l'heure de la vérité maintenant, les demi-finales. Évidemment, on vous proposera la petite finale et la finale demain. Pour le moment, il reste encore 2 matchs à gagner pour remporter ce titre de champion de France. Le premier, évidemment, hier, qui est invaincu jusque-là, 22 victoires en championnat jusqu'à maintenant. On va voir si, au cours de ces playoffs, les Yarrois sont capables de tenir leur rang. On les a vus, évidemment, quelque peu en difficulté sur cette fin de championnat. Maintenant, c'est le match qui compte, le match qui joue toute la saison du côté de hier et du Puy-en-Velay. On le voit, les arbitres, alors qu'un coup d'envoi fictif va être donné avec Céline Villard, l'arbitre principal, vous le voyez à l'écran. On est vraiment à quelques encablures du coup d'envoi. Alors que les joueurs des Hornets du Canet et du CS Meaux arrivent à l'instant à la salle pour d'ores et déjà assister à ce match. Sous les yeux du sélectionneur national, Ludovic Saron. Également, il a fait le déplacement, il sera à notre micro cet après-midi, un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ça fait plaisir de le voir, hein. On a eu l'honneur de l'avoir dans un des Pika Basket Show au cours de la saison aussi, lorsqu'il a été nommé officiellement. Il est présent aujourd'hui pour bien faire une petite revue d'effectif. Alors que le coup d'envoi va être donné, le coup d'envoi fictif d'abord. Avec les deux 5 majeurs pour le Puy en relais. On est parti pour le 5 majeur du Puy avec Malcolm Wright, Kamel Negrini, Omar Zidi, Zuhir Chala et évidemment le capitaine Gaëtan Arnaud. Alors que du côté d'hier, on va se présenter avec une compo classique également. Le numéro 15, Jérôme Durand, le capitaine. Le numéro 9, Nicolas Joncer est là. Dominique Mosler, le pivot bosniaque est là. Abdel Bougania et Jérôme Loreri. C'est parti entre deux, entre Kamel Negrini et Dominique Mosler. Voilà, les demi-finales de National A sont lancées. Première position pour l'équipe de hier. Il va attaquer de gauche à droite de votre écran. Première possession pour Jérôme Durand. Et le premier shoot est réussi. Le ballon fait le tour du cercle et rentre, 2-0 pour l'équipe de hier. C'est parti pour la remontée de balle avec Malcolm Wright.
Là avec l'américain de Dupuis. Il va retrouver Omar Zidi, le shoot d'Omar Zidi un peu court. Et le rebond pour Monster. On sait que l'entame de match est très très importante pour ces deux équipes, notamment pour le Pion Volley. Bon, attention, il va falloir prendre la faute bien sûr, et évidemment le panier ne va pas être grand. Là, on va donner deux shoots quand même. Et la faute, me semble-t-il, est signée. On va voir qui elle a été donnée. Au numéro 5, Malcolm Wright. Deux lancers donc pour Dominique Mosler. Déjà bien, bien agressif sur les rebonds. Premier lancer manqué pour le Polonais. Ce n'est pas sa tasse de thé, les lancers francs. Non, hein, non, non. Moi non plus, donc je le pardonne. Hein. Et le deuxième autre, bien trop fort. Deux. Et le rebond pour Omar Zidi, qui était à la lutte avec Abdel Bougagna. Chala, qui va essayer de mettre de la vitesse. C'est, il a pris l'intervalle. Oh, joli, mais là, il en a trop mis là, sur le lay-up. Nicolas Joncelet, remonté de balle. Il est dans le trafic là. Bien pris par Malcolm Wright. Ouh, il a failli l'avoir Omar Zidi. Récupération Kamel Megrini qui relance. En vitesse, Omar Zidi, est-ce qu'il va l'avoir? Oh là là, non, il n'arrive pas à la sauver et c'est récupéré par Nicolas Joncelet. Ça joue vite des deux côtés, beaucoup de relance. Ouais, ouais, ça joue très très vite. Très rythmé ce début de match avec. Un premier affût là. Ouais, un gros affût même. Il se plaît, hein, Dominique Mosler. Il a pris un bon caillou sur le coude. Il se plaint d'ailleurs du coude. Attention, c'est peut-être un premier tournant dans ce match avec, on l'espère, pas de blessure pour Mosler, mais il reste au sol. Il continue à se tenir. Non, il va se relever et s'asseoir, bien sûr. Solide le Polonais. Ouais, le Polonais. Grosse baraque physique quand même. Voilà, il est remis d'aplomb. Durant pour Joncelet, le shoot de Joncelet comme à la maison. Premier tir réussi. Ouais, le premier panier pour Nicolas Joncelet qui va être le facteur X évidemment de cette équipe d'hier. Le meilleur scoreur du championnat, Nicolas Joncelet. Avec le shoot d'Omar Zidi trop. Ouais, 0 sur 2 pour Omar Zidi. Ouais, on est en difficulté dans l'adresse pour les polos pour l'instant. Encore une fois, il faut qu'il fasse bien attention, être tout de suite dans l'intensité, dans l'agressivité défensive, les polos. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont rencontré hier, ils ont pris un terrible éclat lors du premier carton. Ouais, et bien voilà, on est sur ses bases aussi, hein, même si on est qu'à 4-0 pour l'instant. Possession pour les Yarois et faute de. Joueur Chala. Ouais, il est arrivé sur le côté. Contact fauteuil. On est en mode playoff également, hein, on s'assoit du côté de l'arbitrage. Bougagna qui va rouler tout seul, Jérôme Durand, et ça fait 6-0. Les portes étaient ouvertes, il s'est engouffré comme un filou. La défense polonaise s'est un peu oubliée. Là, on a fait une prise à deux qui n'était pas forcément exactement justifiée. Et l'aide défensive n'est pas venue à l'opposé, il a pu rentrer tranquillement dans la raquette. 6-0, il faut marquer Negrini, là. Negrini, le géant. Ouais, il est bien joué Kamel Megrini. Pas facile ce shoot parce que les mains étaient levées de côté de la défense de hier. On joue depuis un petit peu plus de 2 minutes 30. Et Kamel Megrini qui a ouvert le compteur des polos. Ouais. Abdel Bougagna avec l'écran de Mosler. On sait qu'il peut shooter extérieur, hein, ce garçon. Bonne défense là de Gaëtan Arnaud avec 3 secondes. J'allais vous compter 1-2-3 pour voir si l'arbitre m'entend et non, elle a sifflé avant que je commence, donc c'est bien vu. Et un bon stop défensif là du côté des polos. Ah, oui. Qui ont la balle avec Malcolm Wright. Face à Jérôme Durand, Wright. Alors un facteur extrêmement important, il fait chaud aujourd'hui. Et vu le rythme qui est posé depuis le début du match, attention à ne pas perdre la balle, ouais, c'est perdu. On est en difficulté côté polo dans le début de match. On a bien sécurisé le ballon face à ces Yerois qui sont très agressifs aussi sur le,
sur les défenses homme à homme. Ouais, attention le shoot de Loire à 3 points. Non, c'est manqué. Avec Malcolm Wright, qui va essayer de se défaire de Jérôme Durand et de Jérôme Loréry. Et une faute. Non, faute offensive. Apparemment. Ouais, faute offensive au numéro 12, Kamel Negreli. Oui. Qui lève la main, très sportivement. 6 à 2, toujours en faveur des Barrois. Ouais, une nouvelle perte de balle, un petit peu. 6 minutes 43 à jouer encore. Ouais, il y a du temps. Mais déjà 3 fautes pour les Auvergnats. Ouais. Bougagna. Passé, Bougagna, il va shooter. Oh, il est pris! Oh, belle défense. Super, il a mis les mains. C'est récupéré par Bougagna qui a cherché Joan Serre. Il passe. Attention, on va pas commettre la deuxième. Non, oh. C'est pas sifflé, mais elle y était pourtant. Elle y était pourtant panier. Acrobatique. Ouais. Nicolas panier d'équilibriste. Là, il y a une faute aussi sur. Omar Zidi qui récupère la balle et qui passe. Attention, un premier break là déjà des Barrois. Ouais, 8-2 déjà. Chala. Negreli pour Armand. Il se fait voler la balle. Oh non, attendez, le grand Kamel Negreli est venu la voler sur la tête de Jérôme Durand. Panier marqué avec la faute, me semble-t-il. Ouais. N1 pour Kamel Negreli, elle était mal embarquée encore cette possession. Ouais, l'occasion de revenir à une possession. Mais Kamel Negreli est venu récupérer son capitaine et qui était dans une bien mauvaise posture. Il est allé voler la balle sur la tête de Jérôme Durand, marquer le panier, récupérer une faute. Tout bonus là pour le numéro 12 du Puy-en-Velay. 8 à 4. Et la première faute pour Jérôme Durand, bien sûr. C'est là le Marocain. Negreli. Et le N1 est réussi. Les voilà de retour à une position d'écart. 8 à 5. Jérôme Durand qui va retrouver Nicolas Joancer tout seul. Il a le temps, il va shooter, ça fait 2 points. Si on ne défend pas sur lui, ça va être compliqué. Negreli qui était un petit peu en retard, qui n'a pas contesté le shoot. 5-5-24 au chrono, le shoot d'Omar Zidi, il y a faute sur Omar Zidi. Oh, c'est manqué, c'est dommage. Il et était tout de près du N1. Faute de Nico Joncer. Et Nico Joncer, une habitude, il râle, évidemment. Deux shoots pour Omar Zidi. Le premier réussi, on est à droit par contre, relancé côté. Zidi et Negreli sont des joueurs très adroits au lancer. Il suffit que je dise ça, bien sûr. Non, j'ai pas fait exprès. Pour qu'il le rate. C'était pas l'objectif. 5 minutes 20 encore à jouer dans ce premier carton. Et c'est hier, en maillot jaune, qui mène face ouais, au alors là, la table a complètement envie de relancer le chrono. Voilà, c'est fait. Nicolas joue en serre. On s'embête pas, hein. Le schéma classique. Durand, Bougagna, Joncer, 2 points. Voilà. La machine à scorer est lancée. Il a déjà mis 8 points quand même. Zidi, attention, Bougagna, il y a. Oh, il n'est pas facile de gagner avec la planche. Ah, c'est superbe, ouais, superbe. Entre Joncer et Bougagna. Ah, on commence à monter en température là du côté des shooters. Voilà, faute intentionnelle. Sifflet. Ça va être sa deuxième, hein, Kamel Negreli, non. Non, c'est Gaëtan Arnaud. Voilà, numéro 10. Pardon, Gaëtan Arnaud qui fait une faute intentionnelle. Oui, ça m'a paru très curieux. Il n'est pas coutumier du fait, ce garçon. Mais Madame Villard a bien montré le geste. Attention. Premier temps mort demandé par. Premier temps David mort Giro. Et l'arrivée des trois pom-pom girls. Attention, c'est parti à Saint-Herblain.
un peu de hip-hop pendant la pause. Début de match, Jean-Claude assez rythmé hein, du côté de la part des deux équipes. Un peu de maladresse du côté des pronos, mais ils sont complètement dans le match. Oui, ils sont à 4 points, donc ils ont évité le pire par rapport aux trois dernières confrontations qu'ils ont eues face à hier, où ils avaient pris un éclat dès l'entame. On se souvient notamment lors du dernier match hier sur lequel ils ont perdu que 3 points, mais ils étaient à un moment donné à la dérive, et c'était notamment dû à un très très mauvais premier carton. Cette fois-ci, ils sont rentrés beaucoup plus concentrés et surtout beaucoup plus agressifs sur les écrans. Ouais, et on a envoyé Monster au lancer franc, c'est peut-être pas une mauvaise opération finalement, mais on verra bien. Voilà. Toujours avec ce geste à ne absolument pas montrer dans les écoles de basket, avec ce poignet qui tourne complètement. Voilà, un peu plus réussi, le deuxième est réussi, la possession. 1 sur 4 pour Monster au lancer. Ouais. Va être évidemment redonné au Yarois puisque c'était une faute intentionnelle. 4 minutes 47 encore à jouer. Bougagna. Et vous êtes déjà très très nombreux à suivre ce match avec nous, Bougagna. Le shoot de Bougagna, c'est trop fort. Le rebond de Monster, c'est perdu. La récupération de Bougagna. Ouais, il est au sol, Monster, donc on va redonner la possession. Position hier, 14 secondes. Ouais. C'est Jérôme Durand qui va faire la remise en jeu, le capitaine Barrois. Pour Bougagna, toujours, il cherche Mosler. Il a shooté. Bien trop fort. Le rebond de Valérie. C'est manqué. Et la balle va être Yaroise à nouveau. Elle est jaune. On va garder le ballon, tiens. 14 secondes encore. On a un peu de mal à être dominateur au rebond du côté de la défense polonaise. Beaucoup d'agressivité dessous de la part derrière Roy. Là c'est complètement ouvert. Jean Serre, c'est court cette fois-ci. Il a mis les mains, Zidi, et c'est récupéré par Bougagna. On a bien du mal à s'en sortir là du côté des pronos. Oh, bien joué Kamel Megrini. Il a été volé la balle dans les mains d'Abdel Bougagna. Pour Inch'Allah. Contre-attaque. Et deux points. 13 à 10. Les pronos qui sont là. Kamel Megrini, là, il fait son match. Hein. Il est un petit peu sauveur de la patrie. Il a été prendre la balle sur la tête de Jérôme Durand tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est dans les bras d'Abdel Bougagna. Et Chalak qui est allé finir en contre-attaque. Bougagna, Mosler, ça va être court. Oh ouais, mais Malcolm Wright, il a des bras de petit poussé. Ça devient très intense. Je l'en sers tout seul. Et voilà un rebond. Oh, la passe lobée. Superbe passe lobée de Zidi pour Chala. Pour Megrini, un petit layup. C'est manqué. Deux points faciles. Et David Véro, forcément, n'est pas content. Ah, c'est des paniers faciles, ratés, c'est dommage. Jérôme Durand tout seul, c'est manqué. Le rebond Jérôme Durand pour Jean-Serre tout seul là-dessous. Plus 5 pour les Bavois. Le point noir, c'est les rebonds hein, pour l'instant du côté Pono. Domination des jaunes au rebond. Et encore une faute offensive. Passage en force. Donné à Omar Zidi cette fois-ci. Le numéro 13. Tout le monde a une faute. Voilà, au moins comme ça. Ah, c'est complètement manqué. Il peut se prendre la tête de merde, ouais. Nicolas Jancer là. Donc on rentre dans les trois dernières minutes de ce premier carton. Toujours 5 points d'écart entre les deux équipes. Ouais, il y a match. Voilà. Arnaud qui va profiter de l'écran de Zidi. Il va shooter. Peut-être qu'il est à Arnaud. Il va shooter. Oh là là, c'est bien trop court. Airball. La remontée de balle de Jean Serre. Pour Mosler. Bonne défense de Zidi. Mais ça fait 2 points. Plus 7, plus gros écart du match. Ouais, plus gros écart du match, 17-10, 2-25 à jouer.
Il faut faire un stop, absolument. Il faut qu'ils marquent tout de suite les pronos. Bon, voilà. Tout ça, ils t'ont écouté déjà. Et il faut faire un stop défensif. Deux points rapides. Pas de système. La vitesse de Chala. Attention sur les pick and roll, les écrans pour Nicolas. Bougagna. Ah là, il va se régaler. Oh non, c'est manqué. Zini. Il va encore repartir avec Chala. Chala, ouais, ça, ça va faire deux points. Ça, ça peut être la solution hein, du côté. Voilà. Si on a des rebonds, on va pouvoir lancer les flèches Chala devant et là les points par contre. Il n'y a pas de secret, il faut qu'ils attrapent les rebonds défensifs. Ah ouais, c'est ça. C'est ça la clé. En attendant, ils reviennent à une possession. Et temps mort demandé par Jérôme Mugnini. Premier temps mort demandé par. Non, finalement c'est David Dero. Ah. C'est David Dero, ça clignote du côté locaux. Ah oui, non, non, pardon, c'est les hier. Ouais, je me suis trompé, alors, décidément. J'avais bien raison sur ma première impression. Il me semble bien. Très juste, très juste. Alors que ça joue normalement du côté de Lille, puisque le premier match en ouverture du Final Four a débuté à 14h. Et donc, il oppose Corbeil-Essonne à Corse-Saint-Étienne. Mais je n'ai pas encore de résultats partiels à vous donner. Ah mais on va récupérer ça au fur et à mesure. Corbeil évidemment favori dans ce match, mais sur un match tout est possible. Déjà la montée assurée en National A pour Corbeil. Oui, puisqu'ils ont terminé premier de la saison régulière. Donc ils sont effectivement assurés de disputer le championnat de France de National A la saison prochaine. De Jérôme Durand pour Nicolas Joncer qui fait demi-tour contact sur lui-même Malcolm Wright et c'est perdu avec Zidi Follan. Ah là, il n'y a personne devant, on va temporiser. Bien joué, superbe passé balle de Megrini pour Damoiseau qui a fait son entrée sur le parquet. Romain Damoiseau qui revient de blessure. Malcolm Wright qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce début de match. Meneur de poche, le shoot de superbe de Jouir Salah, 17 à 16. Ils étaient à 7, il y a 7 points d'écart, il y a quoi, 30 secondes de jeu. Oui, belle remontée des Auvergnats. Et c'est bénéfique après le temps mort. Ils vont peut-être commencer à mettre le doute dans les têtes du leader, il n'y a pas faute, c'est perdu. Superbe défense, on est beaucoup mieux en défense, beaucoup mieux organisé. Beaucoup plus d'agressivité. Grosse faute de Bougagna là, superbe pour Megrini. Ah, ça c'est attention. Trop fort, le rebond de Zidi, c'est perdu. Récupéré par Chalan, on va récupérer. 10 secondes encore, le temps. Il me semble que ça a touché l'arceau, on aurait pu repartir à 24 secondes, mais c'est pas le cas, 5 secondes au shoot. Chalan, alors complètement manqué ce shoot. Ah c'est dommage. Ils avaient l'occasion de passer devant. 35 secondes à jouer, ils auront encore une possession. 35 secondes désormais, ils auront la possession. Et voilà une nouvelle perte de balles. Récupérée par Romain Damoiseau. On va siffler parce que Jérôme Laurier est au sol. Au départ, c'est Omar Zidi hein, qui intercepte le ballon. Ouais, ouais, bien sûr. Là, on est, comme je vous dis, on est beaucoup mieux. Oui, dans l'agressivité défensive, dans le timing sur les passes. La défense est passée en homme à homme, mais ça gêne un peu plus les hier. Voilà, beaucoup plus sérieux sur les pics. Damoiseau. Chala. Malcolm Wright. Avec les bons écrans là. Superbe, c'est ça fait deux points. Superbe action. Ouais, vraiment super. Bon, le coach applaudit parce que collectivement c'est magnifique. Oui, et les ponos sont devant à 3 secondes de là. Fin de ce carton. Exactement. On va avoir une énorme. Il n'y a rien du tout. C'est fini. Et hier a été devant tout le carton et finalement les voici menés d'un point à la fin de ce premier quart. 18-17, ils étaient en difficulté en début de carton. Et finalement, Jean-Claude Lepi se retrouve devant. Qui l'eût cru, Nico? Eh oui, qui l'eût cru. En tout cas, voilà, c'est bien la preuve que ces playoffs s'annoncent indécis. 18-17 à la fin du premier quart. Comme on le disait, les polos ils n'ont pas la pression sur les épaules, ils jouent libérés. Ils savent qu'ils peuvent le faire, puisque compte tenu de ce qu'on a dit, hein, leur dernière rencontre face au Hierrois, c'était soldé par un déficit seulement de 3 points. Donc ils ont pris un peu de confiance, ils ont compris qu'il fallait être à la fois plus agressif sur les pick and roll et aussi dominer le rebond défensif pour générer du jeu rapide et des contre-attaques. Ils ont
notamment avec Chala, avec Wright, des joueurs qui peuvent aller très vite. Et puis Zidi et Negrini ont fait le duo au rebond. Et ils ont tout fait pour contrarier ces Barrois qui ont fort à faire aujourd'hui. Ils ont vraiment une belle opposition. Ouais, belle opposition qui... On espérait de voir un tel match, évidemment. Alors on est loin encore d'imaginer la surprise, mais forcément... le Puy-en-Velay a effectivement montré qu'ils avaient des solutions et que en resserrant les boulons défensivement, en récupérant les rebonds avec les flèches devant, des atouts indéniables. J'ai retenu la leçon qu'il fallait vraiment maîtriser l'entame de match, être tout de suite dans l'intensité, dans l'agressivité. Ouais, enfin, ils étaient menés 8 à 2 quand même dans l'entame. Oui, mais ils sont bien remontés dans la deuxième partie du premier quart-temps. Hein. Et on va relancer le jeu avec Romain Damoiseau qui reste sur le parquet. C'est Gaëtan Arnaud qui, pour l'instant, reste sur le banc. Et Nafis Arnaud également. Oh là là, il a pris une tartelette. Malcolm Wright pas sifflé. Damoiseau, le shoot, ça rentre! Pour le tout jeune international espoir, Romain Damoiseau. Impressionnant du côté de Fontainebleau le week-end dernier. Un jeune très prometteur. Ah, il revient de blessure, hein, faut pas l'oublier. Il était absent un long moment de l'équipe titulaire. Plus 3 pour les poneaux. Il revient en forme au bon moment avec Monster tout seul, ça va faire de peur. Non! C'est manqué, mais récupère son propre rebond. C'est manqué à nouveau. Cette fois-ci, c'est Bougagna. 3 secondes. On va s'y faire quoi? 3 secondes? Non, il y avait jeu dangereux. Ouais, jeu dangereux, pardon. Sandwich, Pambagna. Je crois que Bougagna avait pas entendu le coup de sifflet parce qu'il a continué à jouer. Et... Ouais, c'était Loulou Zidi, Omar Zidi qui était au sol. Et la remise en jeu avec Bougagna pour Durand qui va essayer de rechercher pourquoi pas l'Oréry. Non, finalement, c'est Joancer qui vient se proposer. Monster qui ressort. 3 secondes, et oui! Encore une fois, excellent travail défensif. Et Jérôme Mugnini est en train de gentiment s'agacer sur le banc. Ouais, les Barrois qui sont vraiment bousculés aujourd'hui. Joueur Chala, le Marocain. Quel joueur ce Chala. Right. Pour l'instant c'est lui. Hein. Lui et Kamel Negrini. Kamel Negrini, voilà, avec la balle, il est dessous, il va avoir le... Oh, superbe défense, il y a faute. Il y a faute de Kamel Negrini. Ouais, c'est sa deuxième. Ouais. Mais quelle défense agressive des Yarrois sur ce coup. Pourtant il avait l'air d'être en bonne position, Negrini. Dommage, ils avaient l'occasion de faire un écart. Oui, de créer déjà un petit break en leur faveur. C'est un plus 3, les Auvergnats. Jancer, contré par... Et ça repart avec Chala. Chala, poup, 2 points. Voilà, plus 5 pour le Puy. Hier, qui n'a pas l'habitude cette saison d'être mené au score comme ça en première mi-temps. Hein. Non. C'est assez rare pour le signaler. Bougagna qui n'a pas passé la balle là. Attention, là, c'était très juste encore. Ouais. Et le rebond, Joancer qui se défait de Megrini. Là, c'est 2 points. Non, oh là là, il a mis trop d'effet dans son ballon. Et qu'est-ce qu'il va récupérer là? C'est une faute encore. Attention, j'ai bien peur que ce soit. Est-ce qu'elle est donnée à. À Chala ou à Megrini? Si c'est Megrini, c'est sa troisième. Hein. Ouais. Oui, ouais, oui, c'est sa troisième. Aïe, 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 le tournant déjà. Ouais, il va falloir le coacher, David Véraud qui le rappelle. Ouais, qui Nafis Arnaud qui l'a rentré. L'international bosniaque, Nafis Arnaud. Il est en train de se chauffer les épaules. Alors, on va pas revoir Megrini pendant un bon moment. Au moins jusqu'à la mi-temps, sans doute. Obligé de le protéger avec ses 3 fautes, bien sûr.
Mais dommage parce qu'il avait vraiment, il était vraiment dans le rythme. Ouais, ça c'est une faute un peu bête, hein, parce qu'on avait. Oui, loin du cercle. Loin du cercle, loin du ballon, à la limite qui laisse Chala à l'affaire, à la limite qui était derrière lui. C'est ça, ouais. En attendant, malgré tout, 22-17 pour. Non officiellement les visiteurs, hein, parce que ces matchs sont disputés en terrain neutre. Mais le quatrième de la phase régulière est en train de dominer le leader invaincu. Alors vous l'avez vu, en Pro A, c'est aussi les playoffs en ce moment. Et les équipes de tête n'ont pas toujours la partie facile. Et bien c'est la même chose en handi-basket. On a vu l'équipe de Monaco qui a gagné sur le fil face à l'élan Bernet Portes. C'est la même chose là ici pour l'instant. On est dans le même état d'esprit, on est venu faire un coup et comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, on n'a absolument rien à perdre du côté du Puy-en-Velay. Maintenant, l'absence de Maigrini va peut-être peser parce qu'au rebond, il a fait son match. Alors que du côté de Lille, on a un résultat partiel. Allons-y. Donc dans le premier match, c'est Corbeil qui mène face à Fleur Saint-Etienne, 32-25 à la mi-temps. Plus 7 déjà et le shoot à 3 points est manqué, rebond à Fizarno, voilà. C'est pour ça qu'il est rentré, le géant bosniaque. Zidi qui va aller. Ah non, il ne pourra pas shooter de là. Ah si, il shoot et il marque. Attention hier. Plus 7. Attention. 24 à 17. Il y a des rois que l'on ne reconnaît pas aujourd'hui. Non. Le shoot à 3 points de Durand et le rebond pour Zidi qui va lancer. Je suis très rapide du capitaine Varois. Ouais. Il n'y a pas de système hein, du côté Varois. Oui, ils ont l'air un petit peu désunis là. Chala, il va se jouer deux joueurs en serre. Il va s'écarter un peu du cercle pour revenir. Ça passe à l'opposé, oh, non, c'est dommage. Ils ne se sont pas compris, il y a Damoiseau, il était parti. Il est remonté. Il était remonté. Ouais. Alors qu'il aurait dû rester dans le corner sur le système. 7 minutes à jouer avant la mi-temps et c'est les Auvergnats qui mènent face aux Barrois de 7 points. Je m'en sers le shoot, ça va sortir, il n'est pas, attention. Ça rentre pas, ça si rentre pas. Je m'en sers, rentre pas ses shoots. Là, les Barrois sont en difficulté. Oh, superbe passe à l'intérieur, il y a faute, bien sûr qu'il y a faute. Et ça va peut-être donner deux lancers. Faute à jouer en serre, ça va être sa deuxième. Mais ça va pas du tout lui plaire. Et il est au sol. Aïe, 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 attention. Je pense qu'on retire son souffle du côté. Non, voilà, il va se... Alors que Jérôme Milani va faire entrer Ibrahim Ndiaye et l'international hollandais Sébastien Nijman. C'est Mosler qui sort et Jérôme Loréry. Ouais, on va jouer plus petit. Même si India il y a quand même. Il a une belle carrière quand même. Ouais, hein. Ouais. C'est dégagé. Moi je le laisse passer hein, si je le vois arriver. Et... Attention. Zidi le shoot et hop ça va. Oh, ça ressort. Là, il te tue, le cercle. Ça ressort, il y a faute de toute façon. Au numéro. Abdel Bougania. 11 Abdel Bougania effectivement. Attention. Et Omar Zidi. Au lancer franc. Au lancer, l'occasion de donner 9 points d'avance, pourquoi pas. Là, ça serait vraiment le plus gros écart du match. Hein, parce qu'il y a eu 7 points d'avance pour hier. Ça fait déjà 8. Voilà, 8 points d'avance cette fois-ci pour les polos. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. C'est le Puy-en-Velay qui mène le score face à hier. On l'a complètement manqué ce second lancer. Ça fait 8 points. Attention, les 8 secondes quand même. 6 minutes 40 encore à jouer avant la mi-temps. Attention, Nijman. Les 8 secondes. Attention. Oh là 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 là, c'est fouillant. Ils sont complètement perdus. Et il va y avoir un entre-deux si ça continue comme ça. 8 secondes, donc ouais, balle redonnée au polo. De toute façon, c'était ou l'un ou l'autre. Hein. Oui. Eh bien, je suis là. Il va demander un temps mort, hein, Jérôme Minelli. C'est Minelli qui demande son deuxième temps mort. Ouais, il sent qu'il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. Il est loin le lac d'hier. Ils ont fait des kilomètres pour venir ici en Loire-Atlantique. Mais... Jouer en cercle, il commence à s'énerver un petit peu avec les arbitres. C'est pas bon signe. Ouais, bon, après, en même temps, même s'il avait un point d'avance, il arrivera à s'énerver quand même.
Oui, mais on sait que s'il monte en température, voilà. C'est pas très bon pour lui. C'est pas très bon, surtout pour son équipe. Attends, il reste 6 minutes 30 et ben on peut le dire, ces playoffs démarrent tambour battant, Jean-Claude. Ah oui, là, est-ce qu'on va assister à une surprise, mais on est encore très très loin de la fin de match. Mais voir le Pion Belém mener de 8 points à 6 minutes de la mi-temps, on n'arrête pas quand même imaginer ça avant de... Ah, il y a une cote là. Il hein, y a une cote. Mais après, voilà, on l'a dit, on le répète. Hein, c'est des playoffs. C'est des playoffs et le Pion Belém n'a absolument rien à perdre. Hein. On l'a vu en Espagne, en Liga, hein, où le Real Madrid, la Russie Madrid s'est fait taper par le quatrième Bilbao. Et Madrid n'a pas pu faire la finale du championnat espagnol. Chala, Malcolm White qui va shooter. Malcolm White, ça rentre. Plus 2 points pour l'Américain. 10. Plus 10 pour les Polonais. Ils sont sur une dynamique là. On sert bien sûr, Ndiaye dessous, c'est trop, ça ressort. La balle qui roule sur le cercle. Ouais. Attention, il y a faute, mais... Zidi qui a pris un coup à l'œil. Il a pris une tartine sur le rebond. Ouais. Pas sifflé. Il avait le rebond, hein. il l'avait raté. Il l'avait. Hein. Évidemment, c'est pas volontaire, mais une petite... Un contact en tout cas évident parce qu'on est à, ça ressort encore. Faute de Damoiseau sur le bras de Nico Joancer qui va se retrouver au lancer. Mais la gâchette est plutôt silencieuse. Il a marqué quand même 8 points dans le premier quart-temps et depuis, silence pour Nicolas Joancer qui va avoir l'occasion de se relancer au lancer. Premier lancé réussi pour Nico Joancer qui permet à son équipe de passer sous la barre des 10 points. Les ficelles, ouais. Le deuxième. On est d'un tif de la Hourcade, le Bernet, Nico Joancer. Fizarno. Il a bien gauché. C'est dommage, bien le rebond offensif pour Damoiseau qui va ressortir pour Malcolm Wright. Tout le réussi au Polo aujourd'hui. En tout cas, depuis le milieu du premier quart-temps, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Arnaud encore. Arnaud qui peut rien faire. Trop fort. Attention, la balle est récupérée par Nico Joancer. C'est dommage de louper ses deuxièmes chances là. Il en sert tout seul. Il vient stoppé par Omar Zidi. Il y a faute. Faute sur la main de Nico. Ouais. Il rentre pas ses shoots, mais au moins il va sur la ligne. Alors on a dit beaucoup de choses sur Nicolas Joancer, mais il y a une petite anecdote, Nico, qu'il faudrait qu'on précise. Parce que Nicolas Joancer, il a été international cadet chez les Valides. Et puis ensuite, il a été international à l'âge de 25 ans en handi basket. Ce qui fait qu'il est devenu le seul joueur à accéder au niveau international, à la fois en handisport et en sélection nationale des Valides. Notamment avec le Coupe de France cadette. Et ça, c'est assez unique pour le signaler. Voilà. Vous avez Jean-Paul Olivier sur le Tour de France et nous sur Picasport, on a Jean-Claude Boucher. Les moments d'histoire, les petites anecdotes du basket national et international. On nous l'envie, il est là. Et Nico Joancer a loupé son second lancé. Et Nafis Arnaud très présent dessous. C'est un bon remplacement là. Oh là là, il y a faute offensive. Oh là là. Est-ce que c'est pas la troisième de Zidi? Zidi, eh ben ouais, c'est ça. 3-3, ah là là. Match nul entre... Ça va poser problème, hein, parce que sur le banc... Ouais, Megrini
Et Zilli a trois fautes. David Véro, il va falloir qu'il jongle avec ses rotations deuxième mi-temps. On est à 5 minutes de la mi-temps. Donc ça alors attendez, entre Ndiaye et... Ouais, double technique parce qu'ils ont commencé à se chauffer là les deux. Alors moi j'ai vu, je vais pas être le délateur de service, mais bon, Zouzirchal est arrivé, a mis un petit coup avec son fauteuil à Ibrahima Ndiaye. Et on a commencé à parler et Céline Villard en mode justicier a sorti le thé pour les deux joueurs. Non pas la boisson mais les fautes techniques. D'accord, donc double faute. Double faute, ça s'annule pas, mais enfin ça s'annule, il n'y aura pas de lancer évidemment. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas ça va compter hein, quand même, parce que c'est sa deuxième achat-là. Voilà, il est tout seul. Oh là là, Jérôme Durand, hyper maladroit. À l'image des Barois aujourd'hui. Et Nafis Arnaud qui s'amuse au rebond. Hop, balcon. Ouais, 19 pour le Puy-en-Velay. Ouais, on fait des fautes, mais on n'oublie pas de jouer au basket du côté du Puy. Ça va peser quand même, hein, je pense que. Sur les transitions, ils sont irréprochables. Ah ouais, vraiment. Lancer le shoot. Avec une dague qui ressort pour lancer. Le shoot, ça rentre. J'ai dit qu'il a hésité avec ses trois fautes, ouais, il ne peut plus défendre. Il ne peut plus défendre. 29-22 pour le Puy-en-Velay, 4 minutes 20 à jouer encore. Il est passé la faute d'Enijman et ça va donner deux lancers sans doute à Zouzirchal qui est. Non, pas la remise en jeu, ligne de fond, pardon. Il semblait qu'ils avaient passé la limite, mais pas encore. Damoiseau. Malcolm Wright. Un bon écran là. En tout cas, force est de constater que David Véro a parfaitement préparé son affaire. Le shoot de Nafis Arnaud, mais le rebond pour Omar Zidi. On va repartir avec 14 secondes. Chala qui pénètre entre les portes du saloon. Ouais, c'est dommage, manqué. La finition n'est pas là. Et c'était très très bien. Mais alors là par contre, les shoots se les créent hein, tout seul. Vraiment, ouais, donc, ouais. Et voilà l'interception d'Omar Zidi. Oui, sur le press, c'est bien. Alors là, il y a sincèrement quelque chose qui ne va pas. Oh là là, dommage, te perds de balle. Voilà, Chala. Ouais, ça lui a rebondi sous le fauteuil. C'est perdu, c'est dommage. Mais les Ponos sont là. Les Ponos sont dans le match complètement. Ils sont même assez sûrs de leur basket depuis quelques minutes. Ils sont sereins. Absolument sereins. Malgré les fautes. Pour l'agenceur, il va devoir shooter, bien sûr. Et Nafis Arnaud. Il fait le taf au rebond. Ah ouais, ouais. Il est en train de faire, en tout cas en défense, oublier Negrini. Et nouveau ballon dans sa lettre Pono. Touché par Jérôme Durand. Dévié par Jérôme Durand. Ouais. 3 minutes 16 avant la pause, c'est haletant ce début de playoff de National A sur Pika Sport. On est heureux de vous proposer en direct l'intégralité de ce Final Four à 17h15, la deuxième demi-finale qui promet d'être aussi spectaculaire que celle-ci entre le Canemo, le remake de la finale de l'année dernière. Pour l'instant, c'est Malcolm Wright qui shootait là, c'est court. Ouais, c'est contré, me semble-t-il, il y a faute en plus. Non. 3-7-3, alors attendez. Il est au sol. Voilà. Je me fais avoir à chaque fois hein, parce qu'elle lève le doigt, donc j'ai pas. Il était caché, on voyait mal Chala. Ouais, il est tout petit en même temps. Tout petit par la taille, mais grand par le talent. Hein. C'est reparti avec Abdel Bougagna à l'intérieur pour Nijman. Attends, voilà. Quatrième faute, je crois, pour Omar Zidi. À moins qu'elle soit donnée à Nafis Arnaud. Non, c'est Zidi. Ah là, par contre. Ça, c'est un coup dur pour les hommes de l'équipe de David Véro. Alors, qu'est-ce qu'il va faire David Véro? Il va refaire entrer Megrini. Avec ses trois fautes. Mais il n'a pas trop de choix parce que, à moins qu'il mette un maillot et qu'il rentre en jeu, David Véro, il n'est pas sur la feuille. Il n'est pas sur la feuille. Sébastien Ismana, 21
Beachman, un ancien franc. On n'a pas eu l'occasion trop de le voir cette saison, il joue pas beaucoup ailleurs. C'est un garçon qui a commencé sa carrière en Allemagne, du côté de Osnabrück. Comme le chien. Voilà, 25 ans. Et il est originaire de l'Angola. Ouais, il y a beaucoup forcément du côté des Pays-Bas, la relation de l'Angola. Et c'est un garçon qui a quand même scoré 29 points un soir en division 2 allemande contre Essen. Il était donc présent. Donc il peut prendre feu. Voilà, il était présent à Rio, aux Jeux paralympiques avec la sélection nationale. Il fait un saut de lancer. Non, c'est son premier lancer, pardon. Les voilà revenus à moins 6, les Hierrois. Et il sera aussi au mondial avec les Pays-Bas. 1 sur 2, le rebond Bougagna. Position gratuite là pour les Hierrois. Man, il a perdu. Ouais. Faute au numéro 7 d'Amoiseau. Le sapin de Noël du côté du puits, il est éclairé dans tous les sens. Et le tableau des fautes là, il est impressionnant. C'est ce qui pourrait faire la différence dans ce match, indéniablement. En tout cas, ils reviennent, ils refont petit à petit leur retard avec ces lancers gratuits. C'est tout bonus pour les Hierrois. Et vraiment, on va devoir desserrer les tours en défense, fatalement. Premier lancer marqué. On est maladroit, hein, côté d'hier aujourd'hui. Ah oui, là, vraiment, moi je ne les reconnais pas. 0 sur 2 pour Nijman et le rebond pour Megrini. Damoiseau, attention Nijman, il a complètement oublié Damoiseau dans son dos. Malcolm Wright, il y a faute. Wright a été chercher la faute. Hein. Il avait l'occasion de prendre un petit tir à mi-distance et il est allé vers le cercle pour elle provoquer la faute. C'est la deuxième à Nijman. Ouais, il savait qu'ils étaient. Il avait deux lancers quoi qu'il arrive. Hein. Donc, oui, c'est ça aussi. Oui. Il était dans la pénalité, donc. Occasion de mais passer. C'est bien joué, c'est ouais. Bien joué. La barre des 30 points, voilà qui est fait. 2 minutes 34 encore à jouer avant la mi-temps. Bright lancé franc. Deuxième 1 sur 2. Fait. Et plus 7 pour le Bureau. Le capitaine. Ouais, ils tiennent la barre. Hein. Ils arrivent à garder l'écart. Jérôme Durand, Ndiaye et la faute de Malcolm Wright. Qui, lui, bah, c'est sa première. Pas de panier facile. Hein, non, pour, c'est sa deuxième, Malcolm Wright. Ouais. Les Polonais ont compris qu'il ne faut pas offrir de panier tout cuit au Barbois. Pas les remettre en confiance. On va faire faute tout de suite. Brahim Ndiaye qui va être sur la ligne des lancers francs, l'ancien joueur de Thonon-les-Bains. Il est arrivé cette saison hier. Premier raté. Oh, le deuxième aussi. Oh là, il a de la chance. Il a prié toutes les madones de la ville de Nantes. Parce que celui-là, c'était un lancer franc. Alléluia, on ne sait pas comment il est retombé dedans. Voilà, il remet son équipe à deux possessions des polos. 30 à 24, ouais. 2 minutes 20 à jouer encore. On n'a pas vu passer cette première mi-temps, Jean-Claude. Non, c'était très intense. Oh, attention, faute de Nijman et de lancer pour Chala. C'est sa troisième à Nijman. On va faire revenir l'Oréry du côté Jérôme Mignani. Ça va finir aussi par compliquer le dossier de Jérôme Mignani, toutes ces fautes-là. Ouais, alors il est compliqué tactiquement déjà son dossier. Oui. Et là... Bon, trois fautes à Nijman. Bon, après ça va, hein. Il y a deux fautes à Nico Janser. Oui. Mais on sait que... Hier a tendance tout de même à faire beaucoup jouer son 5 majeur, hein, son 5 de base. Donc c'est vrai que faut pas qu'il y ait des joueurs majeurs trop pénalisés rapidement. Ouais. Alors que Chala a raté son premier lancer. Le deuxième aussi. Et le rebond pour Mosler. Dommage qu'ils abandonnent des points faciles.
à 2 minutes de la mi-temps. Bagnac qui sert Prosler. Prosler à la mer. C'est bien joué. Et là, c'est Megrini qui prend la quatrième. Ouais, et Abdel Bougagna vient de serrer le point parce qu'il sait combien cette faute, encore une fois, est importante du côté du Puy-en-Velay. Mais oui, déjà 15 fautes sifflées. Ah ouais, ouais. Tout de même 16 maintenant contre les polos. Negrini qui sort, bien sûr. La fille d'Arnaud, l'anglaise Arnaud, pardon, va rentrer. On va jouer avec le seul Nafis Arnaud à l'intérieur, forcément, hein, il n'y a pas le choix. Et il va avoir du boulot, le Bosniaque, aujourd'hui. David Véro, là, il est en chaussettes, parce que avec ses deux intérieurs à 4 fautes. Bosler, bon, on n'en parlera pas de se lancer. Hein. On va lui faire l'honneur de ce très airball. C'est ce geste absolument horrible. Et les Bernois qui reviennent à 5 points, voilà, à 1 minute 50 de la mi-temps. Sans grand, voilà. Val. Ouais, bien joué, c'est là la solution maintenant, il n'y en a pas d'autre. C'est les petits qui doivent assurer. Les petits vont devoir assurer. Malcolm Wright, Romain Damoiseau. Chala. On sait qu'ils sont capables de scorer, ces gens-là. Mais ils ont tous deux fautes, hein, aussi. Attention. Oh là là, Nicolas Jancer qui rate. Mosler qui vient au rebond. Forcément, c'est beaucoup plus facile et ça va peut-être faire la différence au fil du temps dans ce match. Oui, parce que là, les polos sont démunis à l'intérieur. Il y a juste Nafis Arnaud. Quand vous mesurez 2 mètres, plus de 2 mètres, ça va être difficile quand même. Ouais, il va peut-être pas avoir l'essence jusqu'au bout du temps réglementaire. Damoiseau, le shoot. Voilà, là, c'était bien tenté. C'était un bon shoot, ouais. Shoot ouvert, il a eu raison de le prendre, le jeune. 1 minute à jouer avant la pause. 32-27. Jérôme Durand, il est passé. Bougagna. 3 secondes. Non, une petite faute, pardon. C'est monsieur Thomas Roch. Gaëtan Arnaud, c'est ça, deuxième. Nous gagnons sur la ligne. C'est la foire aux vendanges, au lancer franc. Très peu de réussite. Des côtés, notamment heureusement qu'on n'a pas le pourcentage statistique, hein, parce que oh là là, mais ça rentre encore, mais 1 sur 2, ça revient, moins 4, petit moins 4, on était à moins 10 tout à l'heure. Il y aura encore une possession pour les Barrois, de toute façon il reste 45 secondes. Il est ouvert Malcolm Wright, non, bien joué Monster. Cherche Arnaud là tout seul. Maladroit, c'est dommage, maladroit, ça c'est un ouais. Panier dans son. Ou bien un super retour là de. Ouais, il a évité. On n'a pas sifflé ce contact de Bougagna là. C'est manqué. Ça ne va pas prendre encore une fois. Ah, rien du tout. Mosler, 3 secondes. 3, non. Non, je vais passer dans le boiseau. Ah, il s'est levé. Ok. Faut technique. C'est assez rare, c'est de voir ces fautes sifflées. C'est vrai. Donc, possession, bien sûr, redonnée au Pronote. Ça, c'est un bon stop, là. Ils en avaient besoin. Il restera 17 secondes encore. Hein. Donc, les Barrois auront une dernière possession pour la mi-temps. Ouais. C'est une faute technique, ils vont récupérer la possession. Ah, oui, pardon. Derrière. Oui, autant pour moi. Donc, ils peuvent aller jusqu'au bout. Lancé manqué. C'est ça, non, bah, c'est Chala qui va faire la remise en jeu. Ils peuvent garder la balle jusqu'au bout s'ils sont pas trop bêtes là. Pardonner la possession au Barrois. Chala qui va attendre, il reste 12 secondes. Il y a encore largement le temps. Right, la faute déclenchée.
Il a déclenché ses cours très courts et il a resté 2 secondes. 2 secondes. Pas de faute du côté des polos, surtout. Nicolas Jean sert de loin, de loin. Ouh là 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 là. Ça a touché le panneau. Ouais, il a failli nous faire une Pélers. Ouais. On l'avait eu un peu plus tôt dans la saison, ce shoot du milieu du terrain. Eh bien, à la pause, sensation ici à Saint-Herblain, au gymnase du Vignot. C'est le Pierre Belay qui est devant. 32 à 28, 4 points d'avance. Attention, parce que les fautes sont nombreuses. Des côtés du Pierre Belay, Maigrini en a déjà 4, Zidi en a déjà 4. On est pénalisé à l'intérieur, c'est certain. C'est la pause ici, on va revenir dans une dizaine de minutes pour reparler du programme qui vous attend pour la suite de l'après-midi, le match entre le Canet et Meaux, deuxième demi-finale de ces playoffs de National A. A tout à l'heure sur Pika Sport, on revient tout de suite, ne bougez pas. C'est la pause ici à Saint-Herblain.
voici de retour à Saint-Herblain alors que c'est la pause ici entre hier et le Puy-en-Velay, première demi-finale du championnat de France de National A de basket fauteuil. C'est en suivant en direct et en intégralité sur Pika Sport TV. Jean-Claude, une première mi-temps rythmée, physique, où on a surtout vu une équipe de hier assez maladroite et une équipe du Puy-en-Velay vraiment très très pénalisée par les fautes. Oui, malheureusement, pour en avoir parlé un petit peu avec les interlocuteurs présents aujourd'hui dans le public, on voit mal comment le Puy-en-Velay va pouvoir gérer ces nombreuses fautes. Ils ont 10, il y a eu 17 fautes dans le but sifflé contre eux en une mi-temps, ce qui est habituellement un total pour un match entier. Donc on sait qu'ils ont très peu de rotation. David Véro ne peut pas compter sur un bras à rallonge. Et ils sont donc sous la menace des 4 fautes, à la fois de Marzidi, le pivot du Puy-en-Velay, et des 4 fautes également de Kamel Legrini, donc les deux grands, quoi. Ouais, il reste le seul Lafis Arnaud. Il reste Lafis Arnaud, mais qui n'est pas connu pour son physique. Hein. Non, et puis bon, on sait qu'il a du mal à jouer 40 minutes, à tenir le coup hein, physiquement, donc ça va être difficile. Après, bon, tout est possible. On a vu qu'entre Chala et Wright, ils ont fait une première mi-temps extraordinaire. Il va falloir qu'ils haussent encore leur niveau de jeu, mais surtout qu'ils préservent les fautes de ces deux pivots. Ouais. Alors ça ne va pas être évident face à Mosler, Jurancer, Ndiaye, ouais, Bougania. Maladroits tous, mais qui vont du coup se retrouver avec des espaces peut-être un peu plus importants. C'est ça, oui, exactement. Avant qu'on prenne le match, on va donner une petite info par rapport au financement national B, Bico. Donc, du côté de Lille, il reste 5 minutes dans le premier match entre Corbeil et First. Et First est revenu à 2 points. Corbeil n'a même plus que 51-49. Donc ça... comme quoi les leaders sont malmenés. Oui, voilà. Et c'est pareil, il y a beaucoup de fautes du côté de Corbeil. Donc, il va falloir que les Essoniens s'accrochent pour remporter ce match. Cette demi-finale des play-offs de National B qui se déroule à Lille tout le week-end. Ouais. Alors que ce sera la suite du programme hein, sur Pika Sport. On vous proposera les barrages à partir de la semaine prochaine. Donc on vous donnera le programme. On vous donnera le programme. Forcément, demain. L'équipe de Lyon se déplacera quelque part. Et recevra le 9 juin avec une belle éventuelle le 10. Tout ça, ce sera à suivre sur Pika Sport. Tout ça pour déterminer quelle équipe accompagnera Corbeil en National A la saison prochaine. L'arbitre principal, Céline Villard, va ordonner la remise en jeu. Le début de ce troisième carton, le score, vous l'avez affiché en haut à gauche de votre écran. 32 pour le Puy-en-Velay, 28 pour hier. C'est parti, il reste 20 minutes dans cette demi-finale. Est-ce que le Puy va tenir le coup? Est-ce que hier va retrouver un petit peu de son basket qu'on n'a pas vu beaucoup pour l'instant? Et c'est en soi déjà une surprise assez mauvaise pour le coach Jérôme Mignani. C'est parti avec Durand et Bougania. Tout de suite, Mosler, c'est court. Les Varois qui ont remis leur 5 majeur sur le parquet. Bien droit et ça fait 2 points. On revient tout de suite à 2 points d'écart. 30-32. Alors c'est Maigrini et Zidi qui sont tous les deux avec leurs 4 fautes sur le terrain des Auvergnats. C'est un pari risqué, mais le rebond pour l'Oreri. David Véro se dit ça tiendra le temps que ça tiendra. Bah, en même temps, on le comprend un peu, hein, parce que de toute façon, il n'a pas énormément de solutions. Non, c'est sûr. Mosler, ça rentre, égalisation. À 32. Mosler qui ne sera plus varois la saison prochaine. Au bout de l'annonce. Voilà, les infos transferts qui vont commencer à tomber puisque la période de mutation ouvre le 1er juin. Et qu'on a déjà quelques certitudes, on vous en parlera un petit peu notamment plus tard. Tout à l'heure du côté du Canet. C'est court là, le shoot de Zidi. Et sans faire de bruit, hier à la balle pour repasser devant.
On a du mal dans les débuts de carton du côté du pion. Volé, attention, Migrini n'a pas prendre son cinquième. Et l'interception manquée de Zidia. Oh là là, ouais. Zidia qui permet au Barba de passer devant. Je sais pas ce qui s'est dit dans le vestiaire, mais. Pas mal de réussite, mais. En tout cas, les Varois sont repartis tambour battant, déjà 6-0 pour débuter cette deuxième mi-temps. Effectivement, le discours du coach Jérôme Mugnini, il a pas dû leur raconter la messe, ça c'est certain. Et l'interception de... Non, c'est bien rendu à l'équipe de hier. Alors que vous l'avez vu, évidemment, Malcolm Wright a égalisé à 34. Indécision la plus totale dans cette demi-finale. Monster pour Bougagna, 2 points. Facile. Quand ça joue simple, quand ça joue vite, évidemment, les paniers sont beaucoup plus naturels du côté des Varois. Attention. Malcolm Wright qui profite de l'écran de Megrini. Megrini qui va... Malcolm Wright, il a failli la perdre, il va shooter dans le rebond. Ah, super défense là de Mosler sur... Beaucoup plus agressif que Varois en défense en début de deuxième mi-temps. Plus il est tout seul, il va Mosler. Mettre 2 points faciles. Et tout de suite... David Béraud qui arrête le jeu. Ah ouais, bien sûr, parce que... Ils ont pris 10 points. Eh oui. En moins de 2 minutes, en moins de 3 minutes. Ouais. Donc forcément méchante limonade, comme on dit chez nous. C'est un retournement de situation. Avec une équipe varoise qui a monté d'un cran défensivement. Mais il ne pouvait pas rester à jouer comme ça pendant 40 minutes parce que sinon. Et les Auvergnats qui pénalisés par les deux fautes, les fautes de sur Kamel Megrini et Omar Zidi ne peuvent plus vraiment. Défendre, donc ça risque d'être compliqué cette deuxième mi-temps. Forcément, les. Le Varois. Bon, la donne a changé, c'est évident. Comme quoi, en basket, tout peut aller très vite. Temps mort ici au Vigneault. On respire quelques secondes et on revient. Très courte cette pause, mais c'est déjà reparti. 38-34, 7-17 au chrono de ce troisième carton. La remise en jeu de Chala pour Malcolm Wright. Pris par Mosler, Omar Zidi à l'intérieur pour Chala. Bien pris par la défense. Superbe passe arrière là de Johan Serre pour Durand, Mosler pour Bougagna. C'est facile hein, le basket là, ils ont complètement changé de visage les Yarois. C'est un superbe panier signé Nico Johan Serre. Ils ont retrouvé de la dynamique en attaque, du rythme. Ah oui, forcément. La balle circule bien. Les écrans sont bien posés. Light. On va jouer avec Megrini. Ouais. Intercepté, tentative en tout cas de Mosler. Il se bat bien le Polonais. Right on right. Interception de Johan Serre. C'est juste le backdoor avec Megrini. On s'est perdu dans l'autre sens. Hein, donc un coup pour rien. Bah, le redonner aux Auvergnats. Il va falloir marquer pour rester à tout prix le plus longtemps possible dans le match pour les Polonais. Attention, j'ai cru que ça allait s'ouvrir. Ben Moiseau. Il shoot pas, il va retrouver Megrini, le shoot de Megrini un peu court. Le rebond Nico Johan Serre. Ouais,
Jérôme Durand. Jérôme Durand. Qui shoot et qui marque. Efficace, le capitaine Barois. Qui remet son équipe un peu à l'abri là. Plus 8 à 5 minutes 35 de la fin de ce troisième quart-temps. Nos craintes. Les craintes de Madame Irma, Jean-Claude Bouget se sont vérifiées assez rapidement. 8 secondes sur la possession. La balle sera Ponote. Ah, le visage est complètement différent. Alors certes, ils avaient très mal débuté le premier quart-temps, les Ponos. Est-ce qu'ils vont pouvoir en revenir à nouveau? Ça défend bien côté hier. Ouais, et voilà, interception. Bojancer, Zidi ne peut plus défendre, Meglini non plus. On essaye la transition maintenant. On essaye un jeu intérieur. Magna tout seul de pair. C'est efficace. On joue, messieurs, dames, depuis un peu plus de 5 minutes. Ils étaient menés de 4 points à la pause et les voilà avec 10 points d'avance. Ils ont passé la vitesse supérieure, les Barois. Ouais. Malcolm Wright qui ne peut pas shooter. Chala le shoot à mi-distance, c'est trop long. Durant avec Megrini qui ne peut plus faire qu'un simple bloc avec son corps. Ah, c'est perdu. Allez, balle rendue au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, ils n'ont marqué que 2 points dans ce carton. Ouais, 2 points en quoi, 6 minutes? Ouais, un tout petit peu moins. Ouais. On voit l'efficacité de la défense des Azuréens. Très agressif sur l'écran porteur, sur le porteur de balle. 16 à 2, Jean-Claude. Eh oui. C'est sévère pour les... Alors, pour le moins. Mais on s'y attendait un peu. Alors que Romain Damoiseau est sorti. Remplacé par Gaëtan Arnaud, le numéro 10. Et c'est Julien Chala. Voilà, récupéré par Meglini. Chala, il va shooter. Deux points. C'est bien. Meglini et Chala qui se retrouveront tous les deux en équipe nationale du Maroc cet été, au mois d'août, du côté de Hambourg pour disputer le mondial avec donc la sélection marocaine. On en retrouvera également Mohamed Oulili, le meneur de jeu de Saint-Avold. Il va y avoir du monde à Hambourg cet été. Aïssa Falamp, aussi le pivot de Toulouse. Abdelhakim Adawi, intérieur de Jean-Bullier. Beaucoup de têtes connues de National, en tout cas. Voilà. Ah là, c'est manqué. Voilà un stop qui va faire du bien. On va en transition s'ils sont capables. Ouais, mais il y a le mur défensif Barois qui est là. Oh, belle défense de Jérôme Loréry. Oh là là, et entre deux, la flèche. Super. Et pour le Puy, donc Val Ponote. La Fizarlo revient sur le terrain. Romain Damoiseau également. Alors, pour ne rien arranger, il fait une chaleur accablante dans ce gymnase. Qui va shooter. Oh là là, c'est cool. Alors que le match entre Corbeil et Feurs s'est terminé, Nico, avec la victoire de Corbeil. Ah, finalement, la logique est respectée. Voilà, victoire de Corbeil, 66 à 58. Sur l'affaire, ils ont réussi à faire la différence sur le show de Joancer qui rentre. Nicolas Joancer a le cercle avec lui. Le poignet aussi, hein, forcément. Ouais.
Oiseau, Zidi, Zidi, le shoot, c'est court. Et le rebond. Pour les Varois. Oh là, ça, ça sent la cinquième. Ouais, Zidi, au revoir. Alors comme il a pris sa cinquième, il est en train de donner son opinion à l'arbitre en lui disant « J'ai pris un coup de coude, tu l'as pas vu, c'est bien dommage. » Peut-être moi, Stéphane. Et donc, Omar Zidi, qui est sorti pour sa cinquième faute. On fait tourner avec Joan Serre, qui manque son shoot et le rebond, et signé la Fise Arnaud. Omar Megrini, qui lui aussi est sous la menace, donc. La fois, le shoot qui est manqué, de lancer quand même pour Kamel Negrini. Allez, qui demande à ses coéquipiers de mettre du rythme. Ce sera dans la Fise Arnaud, pardon, qui va shooter, c'est de lancer Jean-Claude. La Fise Arnaud, avec, lui, il a un grand passé en Europe, notamment en Italie. Passé par Strasbourg, par Saint-Avold. Joué, Strasbourg et Saint-Avold, deux villes bien connues de la péninsule italienne, oui. Bien sûr, Jean-Claude. Non, je voulais dire qu'il a, il a passé 12 ans, je crois, en Italie, avant de venir à Strasbourg. Et il a, pas, il a par contre oublié ses lancers, il en a 0 sur 2. Mosler tout seul dessous, ça rentre avec la faute à Noine. Ah, le match a tourné. Le match a définitivement tourné. Et on salue tous ceux qui nous rejoignent sur le réseau Picasport aujourd'hui. On s'attendait à une énorme affluence et c'est le cas. Les tribunes sont assez peu garnies ici, mais devant votre écran vous êtes assez nombreux. Et on vous salue tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui découvrent peut-être le basket fauteuil sur l'antenne de Picasport. On vous donne la suite du programme de la journée. Un deuxième match vous attend, la deuxième demi-finale à partir de 17h15. Le remake de la finale 2017 entre le Canet et Mo. Le premier lancé de Mosler, absolument pas droit, c'était son deuxième, c'était son N1, pardon. Joan Serre, c'est court, c'est dommage, et le rebond de la Fise Arnaud. Ils vont la perdre, il appelle, il va balancer une ogive. Et on va qu'il presse, terrain. Ouais, et bien ils s'en sortent par miracle, les polos. Allez, voilà. Récupération pour eux, pour les Varois. Bonne défense. Gros travail de Jérôme Loharen, numéro 5 Varois. Les petits points qui font le boulot, ça c'est admirable. Ouais. Bougagna à mi-distance. Ou à 3 points. Oh à là là, 3 points. Abdel Bougagna. Oula. Ah ça, ça fait mal au. Ouais. Ça fait mal à la tête, ça. Ah oui, là, plus 15 pour hier. Le score de ce troisième quart-temps, messieurs, dames, 23 à 4. Et il reste encore 1 minute 17. Ouais. Sortez les tubes d'aspirine là pour l'équipe du Puy. Megrini, qui est au lancer franc. Megrini, on l'a dit, hein, qui ne fera plus partie de l'effectif auvergnat la saison prochaine. Ouais. On n'a pas vraiment le droit de vous dire où il ira, mais... On peut pas, mais on sait. Voilà. Moi, je ne change pas de club. Alors que voilà, si... Si les polos ne réagissent pas là dans cette dernière minute... Premier lancer réussi pour Kamel Megrini. Et le deuxième fait ficelle. T'as même Mécanique à jouer aussi en Italie, comme ma Fise Arnaud. À Strasbourg.
Non, lui, il a joué à Mélan, à Villefranche, mes yeux. Entre autres, à 4-5 Paris. Allez, aussi. Récupération pour le pli et faute. Ouais, faute de Monster. Bon travail là de Malcolm Wright. Et deux lancers sans doute. Non, non, pas du tout. Malcolm Wright, passage Lancer. Le le grand bras de Nico. Oui, oui. Oh là là, quel joueur. La passe à Abdel Bougagna qui va tranquillement aller vers le cercle. Voilà. Oh là là. Ça a encore flirté avec le cercle. Un joli coup de poignet. Abdel Bougagna qui fera partie des 13 joueurs convoqués par Ludovic Saron, le nouveau sélectionneur national, au stage qui passera à Voiron dans quelques semaines, au mois de juin. Stage de l'équipe de France masculine. Arnaud qui est manqué. Bougagna, c'est super bien là, joué. Ouais. Ça tourne, alors là les c'est... Les 5 joueurs auront touché la balle. Ouais, ça tourne et ça rentre. N1. Attention, là c'est du récital de basket. Ah là. Oui, la complète du jambon fromage avec le dessus, hein, Nico. Eh oui. Donc voilà les références du glouton Jean-Claude Boucher. Il fait la jouancère, on vous le rappelle, meilleur scoreur de la Nationale A avec plus de 30 points par match. Sur la saison régulière. Et il rajoute un point supplémentaire. Hallucinant l'écart de ce match là. Ils étaient menés de 4 points à la pause. Et les voici à plus 19. Oh, il y a faute. Non, il a perdu la balle. 4 dixièmes de seconde avant la fin de ce carton. Autant dire une passe en shoot. Non, pas de tentative. Non. Eh bien, ils ont pris un éclat les Ponos dans ce troisième carton. 56-38 au score. Ils menaient de 4 points à la mi-temps, je vous l'ai dit il y a quelques secondes. C'est un tournant assez inattendu dans ce match malgré tout. On n'attendait pas à ce que les Ponos pénalisés par les fautes explosent. Comme cela, ils auront inscrit simplement 6 points dans ce carton. Et hier se dirige tranquillement vers une qualification pour la finale. Attention quand même au retour de bâton à ne pas vivre bien la même chose en 10 minutes. Mais on voit mal les Yarois qui ont complètement changé de visage à la pause. Le discours de Jérôme Munini a été en tout cas entendu. 56-38, on revient tout de suite pour les 10 dernières minutes de ce match sur Pika Sportif. Allez, nous voici de retour sur Pika Sport pour le début du dernier carton de cette première demi-finale entre hier et le Puy-en-Velay. Changement total de configuration dans ce match. Ouais, les Varois qui ont complètement renversé la vapeur durant ce troisième carton.
remporté 26 à 8, 28 à 6, pardon. Ouais, 28 à 6, hein. C'est un score qui fait mal. Déjà 28 points en attaque, c'est lourd. Mais 6 points marqués seulement. Donc des Parois qui donc montreront auront quelques modifications, notamment au niveau de leur 5 majeur pendant l'intersaison, puisqu'on a dit, Mosler est annoncé partant. Et puis Abdel Bougania, lui, ne bénéficiera plus de son abattement jeune, puisqu'il aura 23 ans dans quelques semaines. Oh la passe, c'est manqué là, et le rebond il est là. Un peu trop fort, et le rebond pour Kamel Megrini. Et voilà une configuration que l'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ça, ouais, ça fait deux points. J'ai mis contre-attaque de la transition, il n'y en a pas eu du tout dans ce fin de carton. C'est la première des polos depuis la mi-temps. Allez, voilà, revenu à 14. Ils se battent les polos. Allez, Durand. Qui cherche un peu la faute, il finit par terre. Ouais, et ballon rendu au joueur du puits. Ouais, monsieur Clet a rien sifflé du tout. Non. Temps mort tout de suite demandé par Jérôme Mignini. Et l'autre classique après la crêpe jambon champignon, c'est le discours de Nicolas Joancer avec l'arbitre. Oui, il aime bien moins, ça. C'est moins culinaire, mais c'est tout aussi piquant. Piquant, voilà. et si, on verra ce que l'avenir nous dira, mais une possession après l'autre. En tout cas, le puits envelé a décidé sans doute de, avec l'honneur du maillot, de tout donner pour pourquoi pas réaliser l'impossible. Ils étaient devant hein, un peu plus tôt dans ce match et on les voyait bien créer la surprise, mais là l'explosion du premier carton fait que ils ont un grand pas en finale. Ouais, ils ont fait un grand pas. Ouais là, la finale, pardon. Ils ont quand même une bonne rouille de mi en finale, même si attention. Oui, rien n'est fait au basket. On a assisté à des renversements de situation bien plus importants que. Et à l'issue du match, on va rester en ligne. On essaiera d'avoir bien la réaction d'un acteur de ce match. Ça va rentrer. Non, ça ressort. C'est dommage. S'il avait mis ce panier. On a moins 12. Durand. Avec le Bougania à l'opposé. Petite faute, victime de la faute, Abdel Bougania. Donc, international espoir, et donc qui va jouer, qui va faire le stage avec les A dans quelques jours du côté de Voiron. Ça sera aussi d'avoir en ligne le sélectionneur national, Nico. Ouais, l'a dit, hein. Il nous a promis qu'il passera à notre micro d'ici la fin du week-end. Il fallait d'abord qu'il passe chez le tailleur et au coiffeur avant de passer devant notre caméra, nous a-t-il dit. Donc, On a pu discuter un petit peu avec lui sur les projets de l'équipe de France. Très très accessible, Loïc Saron. Comme la plupart des acteurs de l'Andy Basket en France, et on les en remercie pour leur disponibilité au micro de Picasport et de tous les autres médias qui couvrent le championnat. Et on salue aussi, Nico, nos correspondants habituels qui sont devant leur PC. Ah oui. Je pense à Charles Zida, Valéria. Un petit coucou. À tous ceux qui nous ont aidé à vous faire vivre une belle saison de basket. Ouais, j'oublie pas Jeff Guidon aussi. Corinne, on vous salue tous, on vous embrasse. Et on vous donnera rendez-vous d'abord pour finir cette saison, mais on pense déjà à la saison prochaine. On connaît à peu près la date de reprise, fin septembre en tout cas. On vous
communiquera ça en temps utile. Lancé manqué pour gagner le rebond pour Negrini qui va retrouver Chala. Et puisqu'on parle de l'équipe de hier, on va signaler que les Hierrois n'auront pas terminé avec leur saison à l'issue de ce week-end, puisque la semaine prochaine, vous les retrouverez du côté de Mourenx en Béarn pour un match amical face à l'équipe du Centre Fédéral, donc un petit derby du Sud-Ouest entre futur champion de France et l'équipe des pensionnaires du Centre de formation de Talence. Un match organisé par l'Élan Béarnais Basket Féminin, cher à Claude Joancer, le papa de vous savez qui est d'ailleurs présent aujourd'hui. Qui est présent aujourd'hui et que l'on retrouvera aussi à notre micro pour parler de cet événement important en Béarn la semaine prochaine. Les Hierrois seront en villégiature en cité béarnaise. Ce sera le retour de Nicolas Joancer dans son pays, dans sa région natale. Ouais. L'occasion aussi de découvrir tous ces jeunes du Centre Fédéral, dont certains sont vraiment promoteurs. On les a vus notamment au championnat espoir la semaine dernière. Avec Lisa Clary, notamment. Entre autres, voilà. Jean-Baptiste Traoré, Enzo Trabuchet, Lucas Roy, et j'en oublie. Ouais. Osler. Il reste 7 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. C'est trop long. Et récupéré par Kamel Megrini. Allez, si jamais il arrivait rapidement à passer sous la barre des 10. 6 minutes 45 à jouer, interception. Et ouais, vous savez ce qu'on dit, avec Dessy. Interception du Polonais Dominique Foster. Il va éteindre pratiquement tout espoir. 15 points d'écart, 6-30 encore. C'est encore faisable pour les Polonais, ouais, mais, c'est faisable, mais il ne faut plus rater grand-chose maintenant. Non, il mettra un peu plus d'application. Fizarno. Negrini qui aura bien joué avec Damoiseau. Superbe Damoiseau. Negrini qui arrive à gérer ses fautes, lui. Enfin, sa faute. Il n'en reste plus qu'une à faire avant d'aller prendre la douche. Voilà, attention, Joancer. Durand. Bougagna. C'est trop long. Bon rebond là pour Nafis Arnaud qui relance avec Migrini et Damoiseau. Damoiseau et Chala qui temporise un petit peu. Qui shoot et ça ressort. 5 minutes 30 encore avant voilà. La fin de ce match. On est en train de laisser passer les opportunités de retour. Ouah, Mosler superbe. Mosler qui ajoute de nouveaux points à son compteur. Ouais. Lui qui tourne à presque 20 points de moyenne cette saison. Avec hier. Nafis Arnaud, bien joué. Non. Ouais, mais là, il a mis beaucoup trop d'énergie à récupérer la balle. Et on va donner. On va laisser vers cette faute. Oui, franchement, on est juste devant nous, je peux vous dire. C'est. Ouais. Un petit peu sévère. Un faute sur Zouchala. Alors que dans une heure tout juste, hein, vous serez de retour avec nous pour vivre la deuxième demi-finale entre Le Cannet et Meaux. Une demi-finale qui promet beaucoup. Le remake de la finale de l'an dernier, Nico vous l'a dit. Ouais, avec cette victoire au finish pour les Meldois. Ouais, sur une dernière possession avortée de Alexis Ramonin, on s'en souvient, qui avait le shoot de la gagne. Claire, encore et toujours. Ouais. International polonais,
valeur sûre du championnat français, passé par le CSMO pendant 3 saisons. Ouais, 17 points d'écart, 4-30 à jouer. Pellegrini, bien. Il s'est appliqué, hein. Ouais, il s'est appliqué. Parce que Nicolas Jancière a tenté de le troubler avec sa petite mimine là qui est arrivée. Pellegrini plusieurs fois dans le top 6 des meilleurs marqueurs cette saison, hein, Nico. Ouais. On se lève un peu loin du panier. Superbe passe pour Bougagna. Oh là là. Ah, quand ça sourit, hein. Ouais, là, il déroule les parois. Alors que Jérôme Milani a toujours pas effectué de changement sur cette deuxième période. Non. On n'a plus revu ni Nisman ni Ibrahim Aldaï. Et on n'a pas vu non plus le vétéran Philippe Nuta. Alors que bien ne bougez pas à la fin du match, hein, j'irai récupérer un des acteurs du match, je te laisserai Jean-Claude temporiser un petit peu le temps d'aller récupérer un acteur du match pour une réaction à chaud. Sans doute du côté des vainqueurs, évidemment. Donc ne bougez pas. Et ensuite, évidemment, on prendra le temps d'une pause. Je ne sais pas si le match va débuter d'ailleurs à 17h15, hein, puisque normalement il y a une petite heure d'échauffement. En tout cas, on vous tiendra informé. Il reste 3 minutes 48 ici à Saint-Herblain. Et c'est l'équipe de hier qui joue en jaune qui mène 67 à 51 face au Puy-en-Velay dans cette première demi-finale des playoffs de National A. De la fille d'Arnaud. Chala tout seul. Deux points. Alors, comme on vous rappelle, hein, du côté de Lille, il y a également le final four National B. Et le premier match a été remporté par l'AS Corbeil face à Fleur Saint-Etienne, 66 à 58. Corbeil, vous savez, déjà promu en National A la saison prochaine. Voilà, et qui font donc la finale du final four. Ce qui veut dire que ce sera le finaliste qui jouera les barrages contre Lyon la semaine prochaine. C'est-à-dire Capsa ou Lille. Ouais. À réponse aux alentours de 19h45, puisque le match débute à 18h, si je me souviens bien. C'est ça, 18h Capsa. Ah oui, il commence après nous. Voilà, Capsa opposé à Lille. Oh, ça ressort, mais le rebond pour Damoiseau qui est maladroit à nouveau. Et Nicolas Jouancer qui va récupérer ce rebond. Gagna, hop, de près. La petite cuillère, tranquille. Complètement changé cette équipe de hier, transfigurée par rapport à la première période. Oui, on peut dire qu'il y a eu deux périodes vraiment, une à l'avantage des polos, la première, et la seconde totalement à l'avantage des Azuréens, qui se sont vraiment... qui ont déroulé leur basket. Ouais. Et qui vont finir par l'emporter, puisqu'on est à 2 minutes 45 du terme de cette partie. Et avec plus 16 au compteur. Alors que les supporters des Hornets arrivent tranquillement dans la salle. On se dirige vers les vestiaires pour se changer. On vous donnera quelques petites informations que nous a donné le président Alexandre Parugia sur les prochains transferts, notamment. Vous avez des infos donc. Des infos exclusives, PK4. Ah là, c'est bon ça. C'est sa dernière. Ouais, Kamel Pellegrini qui sort. Cinquième faute pour lui aussi. Auteur d'un excellent match, hein, l'international ouais, marocain. Il ne pourra pas se reprocher grand-chose. Non. Il a fait tout son possible. Sinon, pour, peut-être que d'avoir commis des fautes un peu trop vite. Oui, c'est sûr, en première mi-temps. Notamment une loin du ballon qui aurait pu être évitée. Une loin du cercle, pardon. La troisième. Nijman. Ah, je suis un peu forcé. Ah, Bougagna, ça y est.
Bougagna, il fait un chantier. Ouais, ouais, valeur sûre aussi, 15 points de moyenne hein, cette saison. 22 ans, l'avenir du basket français. La génération 2024, il y sera lui. Nous aussi, mais dans les tribunes. On sert à la relance. Mesler à l'intérieur. Il n'a même pas besoin d'appeler la balle. Ouais, mais c'est court ça quand même, c'est pas beau. Mais ça fait deux fois. Ouais, et puis faute technique. Eh oui. Anafis Arnaud. Bon, ça n'a plus d'incidence, hein, Nico, puisque les jeux sont faits depuis un bon petit moment. Les Varois qui vont remporter cette rencontre. Ouais, mais à la mi-temps, ils n'en menaient pas large, en tout cas. C'est sûr qu'ils ont eu une alerte. Quelque peu inquiétante, tout de même, quand on y pense. Par rapport à la finale de demain. Ouais. Et ils ont quand même bien bénéficié des 17 fautes sifflées contre les joueurs du Puy-en-Velay en première période. Ça, alors, ils avaient peut-être aussi mis beaucoup de jus hein, dans ce début de match, les pronos. Mosler pour le lancer sur la faute technique et la possession derrière pour hier en 10 basket. Mosler qui met son lancer, tiens. Entre deux, ouais. La balle va être rendue donc au pono. Récession pour les Auvergnats, 1 minute 17 avant la fin de ce match. Plus 19 pour hier. Il disputera donc la finale demain face au vainqueur du match qu'on vous proposera à 17h15 entre le Canet et Mo. Mo tenant du titre, hein, bien sûr. Et nouvelle faute. Le joueur sur la... Non, pardon. Ibrahima Ndiaye, me semble-t-il. Ouais. Ouais. Bonne défense, hein, les Barois qui continuent à défendre. Ouais. Ah, Joey. Nijman était au sol. Balle côté pour Chala. Une des dernières possessions pour les Auvergnats. Va Tchala. Arnaud qui récupère et qui score. Mais Arnaud, on aurait pu le voir plus souvent scorer comme ça. Ouais, il a beaucoup travaillé dessous un rebond et oui. Il a manqué de réussite tout de même. Ouah, ça c'est bien joué. Oh, et deux fois, ça passe par-dessus la tête de... Durant. Il y a Mosler. Mosler Bougagna. L'extra passe pour Durand. Durand. Pour Ndiaye. Oh, donc complètement manqué ce shoot. C'est super bien joué. Ouais, c'est bien joué. Le collectif Barois. Récupération de Mosler, la faute de Damoiseau. Très sincèrement, j'ai rarement vu autant de fautes sifflées dans un match. Je ne sais pas s'il y en a. Atteint le record, finalement un match assez haché, hein, forcément avec autant de fautes sifflées. Oui, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'il y a une nouvelle configuration puisqu'il y a trois arbitres
pour ce Final Four au lieu de deux durant. Mais est-ce que ça justifie autant de fautes sifflées? Voilà. Parce que sinon, on en rajoute un quatrième et on fait rentrer 20 joueurs pour avoir suffisamment de joueurs pour finir le match. Exactement, mais là, c'est vrai que le panneau d'affichage est impressionnant. En mode playoff, mais. Ouais. Faute, encore une, cette fois-ci, c'est Monster. Monsieur Clef qui ne laisse rien au hasard, hein. Siffle tous les contacts. Même à 28 secondes de la fin. Oui. Arnaud. Allez, je vais te laisser Jean-Claude le temps d'aller recueillir un joueur pour une réaction d'après-match. Ça marche. Je te retrouve au micro dans quelques secondes. 10 secondes avant le coup de sifflet final et possession pour les Penauds d'Amoiseau, alors que l'arbitre va faire un petit tour à la table. 72-55. On vous rappelle, prochain match, normalement prévu à 17h15 entre les Hornets du Canet et le CS Meaux. Ce sera à l'affiche de la deuxième demi-finale. Soumir Chala. Ils n'ont pas la jouer cette dernière possession. Voilà. Voilà, fin du match ici à Saint-Herblain. Première demi-finale remportée par les Hierrois. Le Hier Andy Basket. Face au Puy-en-Velay, 72-55. Donc hier qualifié pour la finale de demain qui aura lieu à 14h30. Casport TV. Apparemment, on vous transmettra également la petite finale à 10h30 demain matin. Donc il y aura donc le Puy-en-Velay face au perdant du match de 18h. Alors que les acteurs de ce match se saluent, on va essayer de récupérer un joueur ou un entraîneur disponible pour essayer de connaître un petit peu par les commentaires. Je pense que Jérôme Mignani va peut-être tenir notre micro. Ah non, c'est Nico Juancer, je crois. Nicolas. Voilà, on va voir le top scorer du championnat en direct ici à Saint-Herblain. Nicolas Juancer a été appelé pour la photo de groupe au milieu du terrain. Il est actuellement avec ses partenaires. Les Barrois tout heureux de cette sortie, de cette première mi-temps où on les a vus en difficulté. Ils étaient menés au score, ils ont été menés de 8 points. Longtemps accrochés par une équipe, vaillante équipe auvergnate, pénalisés bien trop par les fautes personnelles, notamment par les fautes de leurs intérieurs, Megredi et Zidi. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à conserver cet avantage. Et les Barrois qui ont déroulé en seconde mi-temps, on les a vus, notamment un troisième carton remporté 28-6 et qui termine à plus de 17. Allez, j'ai coupé le sifflet à mon ami Jean-Claude parce qu'on a un acteur de ce match qui nous rejoint à notre micro sur Picasport. Nico Juancer est avec nous, Nico. Félicitations d'abord pour cette qualification pour la finale, mais ça n'a pas été facile, notamment en première mi-temps. Ouais, merci déjà, ça n'a pas été facile, le Puy a super bien joué, ils ont été agressifs d'entrée, nous on a été maladroits, on a perdu un peu notre basket et ils ont pris confiance, et ils ont très bien joué le jeu, donc ça nous a mis un peu la tête dedans, mais bon, on a su réagir en seconde période, heureusement. On a été beaucoup de maladresse, je suis un peu déçu parce qu'on a été très maladroits, moi le premier. Et ce qui nous a un peu
sorti du match, surtout en première mi-temps. Ouais, et puis bon, malheureusement de leur côté, ils avaient commis beaucoup de fautes en première période. Ben forcément, ça les a empêchés de défendre correctement en deuxième mi-temps. Et ils avaient aussi perdu pas mal de jus, donc vous avez réussi à retrouver votre basket. C'est quand même bon signe pour demain, mais il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention, maintenant c'est vrai que le Puy est un jeu agressif, donc c'est vrai qu'ils ont été sanctionnés, donc tant mieux pour nous. Et puis après, nous c'est vrai qu'on a, on a réussi à garder un peu de sérénité pour la seconde période, parce qu'il fallait surtout pas paniquer, parce que c'est là où on peut perdre vite ses moyens. Donc on est content, je suis fier des joueurs, parce qu'on a fait un super match, une super seconde mi-temps, tous ensemble. Et tout le monde a marqué, tout le monde a apporté sa patte, donc c'est cool pour la suite, pour demain, pour la finale. Un pronostic pour la deuxième demi-finale, il y a un adversaire favori? C'est compliqué. Hein. Je pense que le Canet est un peu plus rapide au niveau du jeu. Maintenant, Mo est peut-être un peu plus adroit, ils sont un peu plus grands aussi. Et je sais qu'il leur manque un joueur, le Canet, donc je sais pas, franchement, ça va, je pense que ça va être un match serré, ça c'est sûr. Il n'y aura pas 15 points d'écart, 20 points d'écart. Je mets quand même une pièce pour le Canet, je pense qu'ils vont quand même, ils sont un ton au-dessus. Mais bon, Mo reste Mo, Mo a toujours été là. Et je compte sur eux pour faire quand même un gros match. En tout cas, merci Nico, il y a Samir Goutali qui vient chez Chamaillé. Bravo en tout cas pour votre qualif pour la finale et on vous donne rendez-vous demain 14h30 sur Pika. Merci. Bonne chance pour demain et puis bon, finalement il n'y a plus qu'un match avant le titre. Il n'y a plus qu'un match avant le titre, mais voilà, maintenant tous les compteurs sont remis à zéro et là il va falloir se reposer. Et bien se concentrer, on va étudier, on va regarder le match. C'est vrai qu'on voulait jouer premier pour étudier le match, donc c'est bien. Allez hop, vite à la douche et après au tableau noir alors. Voilà, merci. Allez, beaucoup. Allez, merci Nico, merci, à demain pour la suite de vos aventures sur Pika Sport. Les nombreux supporters d'hier vous félicitent parce qu'on a été super... Et en passage, je fais un bisou à ma femme Dorothée, à mes enfants. Et ben voilà. Mes enfants Titouan et Liana, je leur fais plein de gros bisous et je vous aime fort. Alors on les embrasse nous aussi très fort. Il y a Papy qui viendra nous voir tout à l'heure au micro hein, pour parler de ce qui se passera à Mourenx la semaine prochaine. Oui, exactement. Nous, eh bien, on va vous quitter pour préparer la deuxième demi-finale. Et nous aussi, il faut qu'on respire un peu. Oui. On se donne rendez-vous dans une trentaine de minutes pour la prise d'antenne pour cette deuxième demi-finale entre le Canet et Mo. À tout à l'heure sur Pika Sport. Et merci de nous avoir suivis super nombreux pour ce match. À tout à l'heure. Non, mais t'inquiète pas, nous aussi, il y a pas de soucis.